Good afternoon, 47. Your target is multi-platinum media sensation Jonathan Smythe. He is the subject of an international manhunt following his involvement in a multiple homicide 3 years ago. He fled prosecution but continues to release records and maintains an extensive financial empire that has only been bolstered by the controversy. We have learned that he will be hosting a private party somewhere in the palace grounds. This is the first opportunity to engage in over 3 years, so we must act immediately. Locating this party and bypassing security to reach the target will be your primary challenge. The clock is ticking, 47. Good luck. Et salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille, on se retrouve aujourd'hui dans Hitman pour la version Xbox One de la cible fugitive numéro 4, Jonathan Smith, appelé La Sensation. Donc ça se déroule à Paris, aucune méthode, je veux dire aucune contrainte au niveau assassinat, idem pour le déguisement. On prend ce qu'on veut, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs comme point d'entrée les cuisines. Donc infiltré en personnel de premier niveau. Parce qu'on a aussi le personnel des enchères et c'est d'ailleurs le déguisement que je vais aller chercher. Donc j'ai déjà pris le pass et je vais m'infiltrer pour aller chercher le déguisement adéquat. Donc là je ferme les portes pour éviter d'être repéré. Et je passe là tranquillement, tout comme sur PS4 en fait. Mais voilà, j'ai changé certains petits détails. Au lieu de passer par la fenêtre et le balcon, je vais descendre des escaliers. Après avoir neutralisé ce petit bonhomme et après avoir pris son déguisement. Donc, comme la dernière fois, on va cacher ce petit monsieur dans l'armoire. Bien que je pense que personne ne viendra ici. Mais autant être prudent. Donc là, je m'amuse à prendre le buste. Histoire d'avoir un item supplémentaire dans l'inventaire. D'ailleurs, je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Je descends l'escalier. Donc, par contre, je redescends en sous-sol pour aller chercher le poison. Parce que j'avais utilisé un flacon de vomitif pour la première fois sur PS4. Et là, j'ai décidé d'utiliser un poison mortel qui va consommer dans son verre. Et là, je ne prendrai aucun risque, il ne me fera pas de mauvais plan, ce petit bonhomme. Bon, c'est vrai que le flacon, j'aurais pu le cacher à proximité des cuisines, parce qu'il y a une cachette là-bas. J'aurais même pu gagner encore plus de temps. Mais bon, j'aime bien me balader dans Paris aussi. Donc voilà, on va dans les jardins. Et finalement, on passe par le même endroit. Au lieu de descendre par le balcon du palais. Ouais. Donc on va ouvrir la porte. La grille avec le pass du palais, tranquillement. Voilà, voilà. Une fois rentré, on va se diriger donc vers les invités qui boivent un verre. Et je vais me dépêcher donc de mettre mon poison mortel dans le verre de vodka de monsieur. Voilà. Et comme j'étais contre lui, il faut dire que c'est lui qui me pousse aussi. Mais oui, mais t'inquiète pas mon petit bonhomme, il n'y a aucun problème. Bois donc un petit coup, ça va te faire du bien. Et voilà le travail.
C'est parti. Là, on a fini la cible fugitive, la sensation, tous les défis sont réalisés. Voilà les défis de base. La cible est éliminée, c'est génial. Et bah voilà, donc j'ai fait même, j'ai même été beaucoup plus rapide dans cette version que sur PS4. J'ai pas voulu prendre de risque, je me suis dit oh, poison mortel dès le départ. En plus, ça passe pour un accident, on est tranquille. Il n'y a pas besoin de cacher le corps. Donc c'est génial, un petit score fort sympathique de 178 000. Et voilà, on termine ici. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. Salut les amis, à bientôt.